C'est parti, mesdames et messieurs. J'ai mal, chef. Tout va bien aller. Tout va bien aller, comme on dit au Québec. Alors là, c'est parti pour le State of Play. On va voir ce que PlayStation nous réserve pour cette fin d'année, mesdames et messieurs. Je rappelle que la fin d'année, c'est l'année où on consomme notre pognon pour faire plaisir à nos proches et se faire pigeonner chaque année. Donc moi, je consomme beaucoup de mon pognon pour vous régaler, mais j'ai même pas le droit à un sourire. Ou quoi que ce soit en retour, ou un simple merci. Vous voyez, c'est les mois d'ingratitude, quoi. Hein? Donc, on va voir un peu ce qui nous prépare, parce qu'on a besoin de savoir ça pour savoir si on va dépenser notre pognon. Voilà. L'Oclear, je vais te manger. J'ai réussi à survivre à la vidéo, mais avec des séquelles. La prochaine fois, PlayStation, est-ce qu'on peut mettre genre de la musique? C'est? Sais pas, tu sais, genre mec, t'as lancé la vidéo, t'as lancé le truc, genre tu nous mets un screenshot de PlayStation, c'est quoi là? Eh bien, on attend, mesdames et messieurs. Mais ça commence dans une minute. Donc normalement ils sont pas en retard. Eh, il y a un français chat? Là, regardez, il y a écrit English. Ça veut dire qu'il y a un français? J'ai pas trouvé français, ok. C'est pas grave, je suis traducteur professionnel. Donc n'hésitez pas, je suis traducteur professionnel. Je vais même mettre le tag FR. L'histoire de Jebate, plein de petits nouveaux. Ils vont arriver et faire « Je comprends rien à l'anglais, même si l'anglais c'est gratuit à l'école. Moi je suis pas vraiment un gamer, parce que de toute façon, ça sert à rien l'anglais. » Et comme ça, boum, il arrive, il voit le entrecrochet FR, conférence, Sony. Mais attendez, l'Oclear, c'est le pote de Squeezie! C'est le pote de Squeezie, ça me dit quelque chose, ça! Il arrive, boum! Il se prend les vraies traductions, il va kiffer. 5 minutes, mais attendez, vous êtes en retard! Mais ils sont en retard! Alors, vous attendez quoi, les gars? Vous attendez quoi ici, là? Après, ils savent pas parler FR non plus! C'est vrai, c'est vrai. Rien du tout! Alors, Spider-Man 2, effectivement, est-ce que ça va être. C'est pas le dernier jeu sur PlayStation? T'as Spider-Man, Lord of War Laissez-moi vous raconter une histoire. Et The Last of C'était une Us. fois un Baptiste qui offre une Tesla à son père, mais sa sœur l'a chippée et du coup la roue de secours n'est Hélène. Tiens, prends ça. 48 heures. Parfait. Horizon, mec. Ah, mec. Horizon, il devrait sortir sur autre chose que PlayStation. Je trouve que Horizon devrait être multiplateforme. Devrait sortir sur Xbox aussi, tu vois. Horizon, ils perdent beaucoup trop de monde juste à rester exclu PlayStation. Ils perdent beaucoup trop de monde. C'est trop con aujourd'hui de faire un jeu qui est exclu. Je trouve ça vraiment con, d'ailleurs. Toutes les exclus, je trouve ça très très con. Genre.
Je comprends même plus comment ça existe encore les exclus en 2023, tu sais. Genre mec, avec le cross-platform, etc., ça sert à rien d'acheter une console ou un truc juste pour un jeu, tu vois ce que je veux dire? C'est complètement con, tu vois. Donc autant tu prends la console que tu préfères avec la manette que tu préfères, et puis ou celle que tu penses être la plus puissante parce que t'es un demeuré et t'achètes quand même des consoles, hein, de toute façon. Et après tu joues à tous les jeux que tu veux, quoi. C'est un peu con aujourd'hui d'avoir la Xbox et la PlayStation dans le salon, plus un ordi, plus la Nintendo Switch. Je trouve ça un peu con, tu vois. Concernant Nintendo, tu sais, ils ont vraiment tout leur écosystème dessus. Tu vois, donc quand tu joues à la Switch, tu joues vraiment à des jeux Nintendo, tu joues à pratiquement rien d'autre. Mais aujourd'hui, quand t'achètes une Play ou une Xbox, je vois pas trop la diff. Hein. Ah ouais, on a Uncharted aussi, ouais, c'est vrai. Le dernier Uncharted qui est sorti, il est sorti en quelle année, les gars? Bonsoir Lockline, tu peux ne pas crier sur ton live STP, je vais m'endormir là. Ok, attends, bouge pas. Je m'occupe de toi, frérot. Bouge pas. Allez, j'ai la flemme là, c'est bon. J'allais te gueuler dessus, mais j'ai la flemme. 2015? Ok. Non mais chat, il a envie de dormir sur le State of Play, il a raison. Moi je ferais la même. C'est vrai qu'il y a un réel kiff à s'endormir devant la télé, chat. Et c'est ouf parce que c'est à 32 ans, bientôt 33, que je découvre ce bonheur-là, les gars. Le problème, c'est que c'est pas vraiment sain, tu vois, de s'endormir devant la télé. Parce que la télé, elle continue à faire du bruit, machin, machin, du coup tu passes pas une vraie nuit de sommeil. Mais c'est vrai que c'est très confortable. C'est très très confortable. Et force à tous ceux qui s'endorment sur mon stream quand à 4h du match je me mets à gueuler. Force à vous. Mais ouais, moi je sais pas, les gars. Genre, je préfère me mettre dans une ambiance où, allez, je vais dormir, je vais récupérer, boum, tu vois. Alors, c'est plus chiant pour s'endormir, c'est clair et net. Genre, c'est plus chiant, t'as le téléphone, t'as des tentations et tout ça à côté. Mais honnêtement, tu dors bien mieux, donc quand tu te réveilles, t'es beaucoup plus content, quoi. J'actualise pour gagner un max de temps, chat. Pour accélérer le temps. C'est parti pour le State of Play! Wouhou! Je l'attendais tellement, celui-là. C'est des jeux indés, pas exclus. Mais tant mieux, frérot. Tant mieux. Tant mieux pour moi. Alors. Là, je vais vous traduire ça. Pour le moment, ça dit que ces jeux sont pour des gens immatures. Voilà. Donc rien de très spécial. Oh mec, c'est le gars qui a fait Getting Over It, ce jeu. Non, il commence là-dessus, putain. C'est le mec qui a fait Getting Over It. Je crois que c'est Baby Steps, c'est ça le jeu? Alors c'est clair qu'il est beaucoup plus moche que la première présentation qu'on a vue. Hein. Mais en gros, genre là, tu dois marcher avec les deux jambes. Et si tu trébuches, genre c'est relou de fou en fait. Aïe aïe aïe. Marcher avec les deux jambes, bah oui, mais frérot, tu vois bien que genre c'est illogique de parler comme ça, mais c'est le jeu illogique aussi. Lâche-moi. Ah, il y a le son aussi, ok. Pas mal. Là, si tu tombes en fait. Oh non, faut passer par là. Faut passer par là. Oh le bâtard. Oh le jeu de bâtard. Ok, ça va être un jeu pour nous, les gars, je vous le dis. Are you okay? You look sad. Oh, hey, Mike. No, 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 that's sad. I was just taking a break from my run. The road's out. Yeah, road's out, but no worries. Grapple point.
Grapple point. Oh, just grapple. I'll grapple it. Yeah, just grapple with a grappling hook. Oh, yeah, I'll just grapple that fucker with my grappling hook. Yeah, no worries. Just grapple that fucker. I'll just grapple that fucker. Yeah, good. All right. Well, Salada. Oh, Salada. Yeah. Attends, il te jibait avec un truc. Non, mais c'est trop fort. Le jeu va être incroyable. Only Up et tout ça n'auront plus qu'à se recoucher, les gars. Ça, c'est des vrais jeux de fou, là. Ça, c'est des vrais jeux de bâtards, ça. Le mec qui a fait Getting Over It, il est unmatched, les gars. Oh non. Getting Over It, les gars, c'est le meilleur. C'est celui qui a lancé d'ailleurs toute cette tendance de jeu de où il faut monter, machin, tu vois. Et tu tombes, tu meurs. Ah ouais, vraiment. Il y a du contenu, ok. 2024, putain. Oh, c'est long. Our team is always on the lookout for creative, inspiring and original games to bring to PlayStation players around the world. Juillet août 2024, les gars. We are constantly canvassing game development studios as we search for the next exciting idea. And as you just saw, Baby Steps is a great example of the innovative spirit that we're looking for. Ouais, enfin, il sera disponible pas que sur PlayStation, ne vous inquiétez pas, les gars. To share with you. My hope is that these demonstrate the diversity of experiences coming to PlayStation consoles and PSVR 2. On that note, I'm very excited to welcome PlayStation players to Roblox. This infinite oh wow, Roblox est disponible maintenant sur PlayStation. C'était pas le cas déjà? On October 10th. Donc le 10 octobre. Roblox features full cross-platform support, so you can join 66 million daily active users enfin, across okay. PC, mobile and other platforms. We can't wait for you to explore millions of experiences together. And to see what you create. C'est Roblox ça? All right, let's dive in. Starting with a look at two great games coming to PlayStation VR 2. Oh la VR, c'est bon, on peut s'endormir les gars. Oh stylé, putain, Ghostbusters, dommage que c'est la VR. Welcome to the Ghostbusters. You might be new here, but we have a job to get done. En vrai stylé. The city isn't going to save itself. So get geared up and join the team, because working together. Go, go, go. Mais je dois vous l'avouer les gars, je comprends pas pourquoi. En fait, en vrai il est stylé le jeu. We're talking turrets, shields, decoys and so much more. Dommage qu'il est VR les gars, le jeu a l'air vraiment bien. You'll need to be ready for anything. Before you'll be ready to take on the Ghost Lord. Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord. Je comprends pas pourquoi il y a autant de jeux Ghostbusters. Mini puffs, you can be a real. Il y en a vraiment beaucoup. Fais-le. Oh la flemme. La VR, mec. Ah. Ah, c'est VR. Ok, ça c'est pas mal. Jeu d'horreur en VR, je trouve qu'il y a un réel intérêt, mais ça fait trop flipper par contre. Ça fait vraiment trop flipper. Et là, ça a l'air bien fait ça. No fucking way. Resident Evil? Putain. Ah, c'est Resident Evil 4 en VR. Putain, level du recyclage, les gars. Ça a l'air de bien marcher, hein. Waouh! Think you can swallow me whole, huh? Ok. Ça fait chier. Ok. En fait, ce qui fait chier, c'est les remasters, les gars. Genre, mec, remaster d'un remaster, remaster en VR, remaster, je sais pas. T'sais. Du coup, il était pas dispo sur PS4, lui ? Attends, c'est pas normal. Ah, c'est le DLC! C'est le DLC de l'époque qui est maintenant remaster. Ils ont remaster le DLC. Dans le chat, il n'y avait pas un drama avec ça. En mode, à l'époque, quand le jeu était sorti, il y avait ça. C'était dans le jeu de base à la base. Mais ils l'ont fait en DLC là, là. Ah, c'est ça le drama, ouais. Ah, c'est dur. Donc à l'époque dans le jeu de base, ce DLC qui sort maintenant,
faisait partie du jeu de base. Mais maintenant, pour faire plus de pognon, ils l'ont mis en DLC. Alors que ça faisait partie du jeu de base, donc c'est très très très... Là, c'est très dur là, à accepter. Ça, c'est dur à accepter. Ah, bah c'est gratuit. Bon, bah au moins, c'est... Ah non, c'est Mercenaries qui est gratuit. Oh le J-Bait. C'est Mercenaries qui est gratuit, les gars. Oh là là, ils sont... Oh, le truc de bâtard qu'ils ont fait, là. Vous avez vu? Mercenaries était gratuit. Donc un mode de jeu mercenaire est gratuit, mais pas le DLC. Oh, oh mec, et ils mettent ça à la fin du trailer du DLC. Ah, c'est dur. Alors, ce jeu peut être un véritable banger, mesdames et messieurs. And trained in their ways. C'est possible, hein. 15 years, they kept me from my world and my people. Wait. You have the mark. You are Sorrento. The poor child knows nothing of our ways. Arc-like? Non, je dirais Far Cry-like, je pense. Je pense que le jeu, c'est un Far Cry. I must seek the rien à voir avec Arc. Plus Far Cry, mec. And help me reconnect with my world. Qui a fait le jeu, les gars? Ubisoft? Follow me. I won't hurt you. No. You are starting to think like a Nazi. C'est un Far Cry, hein. We will teach you to ride like one. Now Pandora is under attack again. Ah, c'est un Far Cry, les gars. I will not allow the RDA to destroy this land. This is my home. Horizon sur 20? Non, moi je vois plus de Far Cry qu'Horizon là, frérot. Mais pour le coup, mec, pourquoi pas, hein. Mais j'ai très peur des trucs répétitifs, chat. Vous voyez ce que je veux dire, bas. Très très peur. Mais le jeu est pas, peut-être pas mauvais, hein, vraiment. Il a pas l'air mauvais. Il a pas... Non, c'est pas une exclu, les gars. C'est pas une exclu. Ça, c'est une exclu? C'est pas une excuse, je crois. Faster. Better equipped. Blade Runner, c'est ça? C'est... Les gens aiment beaucoup ce jeu. Ghost Runner. Ouais, beaucoup de gens me parlent de ce jeu, les gars. Apparemment, c'est un bon jeu. C'est pas une excuse non plus, je crois. C'est pas une excuse. Oh, une nouvelle manette à 150 euros. La PlayStation 5 en rouge. La PlayStation 5 en bleu. Et la PlayStation 5 en blanc. Choisissez votre couleur. PlayStation 5. I'm Johan Pilestad, CEO and creative director. Alors ce jeu, il intéresse différencier de tous les farmers, shooters, looters là. At Helldivers 2. We're starting on the ship's bridge, preparing to select our mission from the galactic war map. Once cleared for mission engagement,
It's time to go into your non, pas la cinématique une fois que t'as choisi. Non, ça me donne des mauvais souvenirs là. C'est des mauvais souvenirs ça. Tu ouvres ta map, tu choisis l'endroit et t'as une cinématique qui t'emmène là-bas. Ok, we need to find the terminate bile titan. I think it's this way. No, some enemies here. Okay, I'm covering you on the right. Ça me fait trop penser à comment ils ont présenté Anthem, vous rappelez? Anthem c'était pareil, ils avaient pris des voix de joueurs, tu sais. En mode les joueurs ils communiquent entre eux, tu sais. Déjà mort, gros noob. Reinforcing. Ouf, after run. Alright, I'm back. Donc quand tu meurs, tu reviens en capsule. I'll try to take him down from the side. Reload my recoilless. On it. Ça me rappelle vraiment Ice Cream So Good. Oh, there's a charger here. les PNJ qui allaient faire une démo du jeu, tu sais. We take out the charger with recoilless. Alright. Reload me. Ah, alors ça c'est sympa, t'as l'autre qui réagit. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Y'a ton pote qui recharge le lance-roquette pour que ça aille plus vite, j'aime bien. Belle mécanique, enfin. Ok. Throwing out the strafing run to try to take out the small guys. Oh no, you killed me. Oh. Et du TK, j'aime bien aussi. One small death for the hell divers. Reinforcing. Okay, should we do something? Should we strategize? I'm drawing his attention. Alright, I don't think I have an option. We need to throw in the T'as vu, il a plus de roquettes dans le dos parce qu'il a plus de munitions, c'est bien. J'aime bien. Getting out of the way. There okay, we go. There we good go. Job. Nice. Good job, guys. Well done, Helldivers. Another win for Super Earth. After each okay, successful non. mission, players are rewarded for their efforts, allowing them to la démo était pas ship, ouf. Weapons, armor. Elle était un peu brouillon, je trouve, la démo. Je sentais que les joueurs ils étaient un peu perdus et tout, c'est pas ouf. J'aurais préféré voir des vrais joueurs. En tout cas, heureusement, il y avait cette mécanique qui m'a donné un petit peu d'espoir, quoi. Ça monte pour probablement des ouvertures de teamplay. Bon bah en février, ok. Pourquoi pas tester ça? Pourquoi pas tester ça? Ah, le main game, mesdames et messieurs, le main game. Pourquoi vous regardez cette conf? This is Brian Intihar, Senior Creative Director at Insomniac Games. Thank you for all of your amazing feedback to our demo at the showcase earlier this year. Marvel Spider-Man 2 is filled with an amazing story and story missions. But today I'm here to provide you with a first look at how the open world experience is evolving and how the game is built to take full advantage of the PlayStation 5. The first thing you'll notice is that our city has nearly doubled in size wow. with the addition of two iconic New York boroughs, Doublé Queens là-bas. And Brooklyn. And we've introduced the web wings, an entirely new mechanic that, when combined with web swinging, ouais, allows bien. You to traverse the city in a whole new way and at faster speeds than ever before. Wow, man, quand tu Whether vas vite. It's the neighborhood backdrop of Queens or the fireworks that light up the sky over Coney Island, exploring Stylé. These areas will feel much different than the towering skyscrapers we've très, très had, while also delivering memorable locales like Peter Parker's old stomping grounds in Midtown High and Miles Morales' current place of learning, Broken Visions Academy. Hey, Miles. Putain. What's up? Ça a l'air bossé, hein. Marvel Spider-Man 2 will introduce the ability to switch between the two wall crawlers in the open world. And, thanks to the power of the PlayStation 5, you can make that switch almost instantly. Delivering Donc tu peux switcher entre les deux personnages instantanément. Quasiment instantanément avec la PS5. But this time around, it was equally important to provide a greater sense of exploration and discovery. As you progress through the main story, a number of new activities and storylines will become available. The majority of those will now be represented by visual cues in the world that grab your attention. Such as a flock of Kraven's Talon drones circling a building, a mysterious symbol projected into the sky, or even an unfamiliar spider-bot ping emitting from one of the rooftops. Many activities, like the hunter's cloaked blinds that overlook the Big Apple, lead to even greater challenges, yet yield worthy rewards and new information about Marvel's greatest hunter, Kraven. Others will lead to a climactic showdown with Marvel villains not yet seen in the Spider-Man universe. The Spider-Heroes have new AR tech in the lenses of their masks.
providing a quick glimpse of activities already discovered, or helping you locate new ones yet to be revealed. You can always refer to the upgraded Friendly Neighborhood Spider-Man app to quickly track nearby areas of interest. The app will also include incoming requests from those who call Marvel's New York home. Some will ask for either Spider-Hero to help, while others, like the students of Brooklyn Visions calling upon Miles, will require you to put on the mask of a specific hero. All these activities, including crimes you stop from the game's various enemy factions, also now feed into the new District Progress system, which even provides more rewards and unlocks our brand new fast travel system. As you can see here, the PlayStation 5 and its SSD means you can move across the city with very little downtime. Non, là, c'est propre. C'est très propre. T'as vu, il a cliqué sur la map, et boum, le mec, il a atterri là, boum, et c'est instantanément. This includes mastering additional ça, c'est très propre. Skills, très, très propre. Gadgets, upgrading through the new suit tech system, and of course, unlocking additional spider suits. And we're talking lots and lots of suits. Ah, t'as plein de costumes, mais les costumes, ça se trouve, ils servent à faire des trucs en plus. C'est pas juste du style, non? Ah ouais, c'est ouf. Teams, we couldn't be more excited about what this expanded city has to offer and all the new ways you'll experience Marvel's New York. We look forward to seeing you swinging around in Marvel Spider-Man 2 when it launches October 20th. Eh ben, PlayStation 5. Plutôt une très belle presse. J'ai trouvé que c'était une très bonne presse. Droite à l'essentiel. Très belle presse. Alors là, je peux vous dire que le fast travel sans chargement là, très 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 propre, hein, les gars. Très propre. Le fast travel, le mec, il a cliqué sur la map, boum, son perso il atterrit, schlack. Pas de cinématique trop longue à la Starfield ou les trucs de merde là. Boum. Droit dedans, boum. 1 year has passed since the end of the great conflict between Dana and Rena. Genshin Impact 2. And so, our journey continues. There she is. Don't let her get away. J'adore ces jeux-là, moi. The gang's all here. Wow. The hell she did. She's a monster. The truth is that people will always doubt. Oh. And reject. Wow. Oh! Wow! 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 All differences must be erased. Once there are no differences, there will be... Contact me! My phone is here! What we call destiny is neither visible nor tangible. Contact, hein, contact! Yet, it is as certain as the collapsing and converging of the past and present. I called out to you and you came. The future is like a labyrinth. Every wow. divergence is merely an inducement. There is only one real path. Wow! My phone is branché. Contact. You and I are each other's destiny. Hey, Bear Vegas. Oh la 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 la, le banger. Alors là, on passe sur un jeu indé un peu. Je crois que c'est du pinball là. C'est du pinball? Ah non. Ah, ils ont copié Splatoon. Ce qui est un. Et franchement, Splatoon qui est un banger. Hein. Splatoon qui est un banger. Hein. Bon, là, on. J'ai pas l'impression que ça va être un banger par contre. Ouais. Ça me rappelle beaucoup. Defeat the star player to win. Comment il s'appelait le jeu là? Knockout City là. Il était vraiment bien aussi, hein. Knockout City. Happy Bad Survival. Dominate the arena in teams of two with support from your allies on the outside. Mais les gars, les graphismes ont l'air dégueulasses. Ou c'est moi les gars? En fait, je trouve ça irregardable. Characters hit the stage.
Genre les couleurs sont atroces. Genre c'est trop mal choisi d'avoir mis des couleurs aussi flashy là. C'est mon écran ou quoi les gars? We'll see you at the Foam Stars open beta party. Ouais, il faut qu'il réduise la tonalité des couleurs là, c'est trop violent là. Alors, on voit que dalle. Alors c'est une bonne chose de copier Splatoon parce que c'est un banger. Before we wrap up, mais Square pas Enix trop comme has ça. One more update for us today. Square Enix? They're hard at work on Final Fantasy VII Rebirth. The ambitious follow-up to the ils ont perdu 2 milliards en action, Square Enix. Let's see what's in store for one of donc là, ils ont intérêt à revenir fort parce que depuis le dernier Final Fantasy, ils ont pris très très cher. The world's ending. At least, that's what everyone's saying. The sky, I don't like it. Ready to fire, sir. Welcome to the New World Order. Fire! Just close your eyes and listen. Tell wow, me you wow. Can hear that. Her rallying cry. Tiens, je crois qu'ils ont du budget, eux, non? Wow. And everything on it dies. We can overcome our fate. Wow. Am I the same as these monsters? Am I even? Oui, beaucoup. Wow. Okay, we're looking for Sephiroth. Think you can find him? Oh, Sephiroth, you see. So you heeded the call too, did you? Mais c'est numéro combien là? Je comprends pas, c'est le 7 ou le 8 ou le 9 ou le 10 ou le 20, le 40, le 8, combien? Having a little get together. They're our best chance of finding Sephiroth. Mais attends, il est toujours pas sorti le remake du 7? I suspect there's soldiers suffering from cellular degradation. Attends, pourquoi j'entends parler tout le temps? Ça fait 6 ans que j'en entends parler. Trust in me. Ah, il est en deux parties, ok. Ils l'ont intentionnellement fait en deux parties, lui aussi. Oui. Ah, ils abusent, mec. Ah, il y avait 3 CD, ok, bon, ça va. Mais bon, avant, tu l'as acheté une fois, hein. Tu l'as acheté pas 3 fois. Hein. Avant il y avait 3 CD les gars, maintenant vous rachetez les 3 CD hein, un par un. Alors pour le coup ils ont vraiment tout refait hein, parce que là ouais c'est plus du remaster hein. Ah, ils ont vraiment tout refait. Excuse me. Could you look after my friend? Just ça a l'air incroyable. Oh wow. Même l'histoire a changé. Ouais, Tifa, ils lui ont mis des... Ils lui ont mis une brassière. C'est la honte hein, d'ailleurs cette histoire. C'est une vraie honte cette histoire. Il s'était obligé de lui mettre une brassière. Parce qu'il s'était fait blacklister aux US, je crois. Un truc comme ça. Redodo 5 subs, merci mon chéri. Seulement 2 disques. Et vous pouvez précommander les 2. We hope you enjoyed that new look at c'est quoi les sorts? Ah, tu veux pas savoir mon chéri. It's coming to PlayStation 5 on February 29th. Tu veux and pas savoir. All for State of Play. Thanks for watching and c'est we'll tout? See you next time. C'est tout! Elle est incroyable, on peut la rajouter celle-là, les gars! On peut la rajouter s'il vous plaît.
Recommandé. Ouais, ok. Très déçu, très court. Trop court. Trop court. Beaucoup trop court, les gars. Beaucoup trop court, les gars. Beaucoup trop court. Non mais GTA 6 frérot, ils vont jamais faire leur annonce via une plateforme comme PlayStation mec. Ils vont faire leur annonce comme des grands solos mec et ils vont péter internet frérot. Voilà ce qui va se passer. Ok. Ça manquait de matériel, ah bah oui. Ah bah oui. Merci Dreiser pour les 42 mois, Stifler 11 mois, merci Yamino Kuma pour les 15 mois, merci mes bébés. Bon bah écoutez, c'était sympa quand même. 27 minutes. C'est vrai que c'est passé un peu vite hein. J'ai oublié tous les jeux d'ailleurs. On a retenu des jeux ou pas? Parce que je crois que j'ai rien retenu les gars. Il y avait des jeux stylés ou pas? J'ai absolument rien retenu. Ah, Baby Steps. Ah, mais mec, ils ont plus rien pour eux, PlayStation, là. Ils ont plus rien pour eux, hein. Parce que tout ce qu'on a vu, à part Final Fantasy ou Spider-Man, ça sortait sur toutes les plateformes, hein. Beyond Good and Evil 2, je crois que c'est mort, ouais. Je crois que c'est mort. Hein. Ils ont abandonné le projet. Le mec, c'est pas marché, Roblox. Mais ouais, mais il y a que, en fait, le mec, c'est pas marché, en fait. Nintendo, j'ai pas vu tout à l'heure. D'ailleurs, il y a une nouvelle map Among Us. Il faudrait qu'on regarde le trailer. Alors la conférence de Nintendo était tout à l'heure, elle était à 17h donc je l'ai un peu loupé. Waouh! 50 subs monsieur Mixion, mon bébé! Merci mon chéri! Sale riche! Soj King 16 mois, merci à Emilien pour les 8 mois, merci Rim Kiwi pour les 2 mois, merci mes bébés. Hype Train level 2 mon chéri. Bon alors elle donne quoi? Merci mon frérot, hein, t'as l'amour. Qu'est-ce qu'elle donne? Alors ça fait combien de temps qu'Among Us, on joue à Among Us depuis 2021? Ça va faire du coup 3 ans? 2020? Ah ouais, là ça va faire 4 ans frérot. Et en 4 ans ils ont sorti 2 maps. Putain, ils se sont bien branlés hein. Ils se sont bien branlés hein. 2 maps. 2 maps. Ah, c'est sorti en 2017 Among Us. Joli timing. Alors ça peut être intéressant. C'est quoi ça? Quand tu marches sur un champignon. Ouh, ça c'est très intéressant. Tu marches sur un champignon. Et là tous ceux qui sont là-dedans, ou peut-être juste toi, bah vous perdez la vision. T'as vu? J'aime bien ces mécaniques là. Ah tu vois tes potes là. Et que là qui marche au champi, il les voit pas. Maintenant est-ce que tes potes... Attends non ça bouge pas avec lui. Donc c'est vraiment tout le monde. D'accord. Redodo merci mon pote pour les 10 subs. T'as l'amour merci les gars. En fait ouais donc tu marches au champignon et tout le monde perd la vision. Sinon ça te suivrait le mec. Vous voyez. Hein. Emergency ok.
Non, elle a l'air bien là-bas. Je pense qu'elle va être bien cette map. Je pense qu'elle va être bien cette map. Il y a des jumelles, donc les jumelles ça remplace un petit peu le les caméras quoi. Ouais. Les jumelles ça remplace un peu le caméra, mais alors ce qui est intéressant c'est peut-être que tu peux monter et descendre. Et là c'est libre. Alors là ça va être très très intéressant si les jumelles sont en mode libre. Parce que là dans ce cas-là c'est pas, tu sais, genre tu passes de cam 1, 2, 3, 4. Là t'es en mode libre. Ah ouais, c'est vraiment libre. Vous avez vu, il a bougé un petit peu. Là, t'as une mission. Et alors ça, cette vente, elle a l'air un peu chelou. Donc c'est une vente, hein. C'est littéralement juste une vente. Là, on peut voir, il a vente. Sabotage, kill. Rien n'a changé au niveau du killer. Dommage. J'aurais kiffé qu'ils rajoutent les rôles et tout, hein. Vraiment, ils ont rien rajouté. Chat, ils ont jamais rajouté les rôles et tout, hein. Si, mais non, mais c'est quoi le rôle? C'est juste le seul rôle qu'ils ont rajouté, c'est ingénieur, non? C'est une nouvelle map, ouais. Bah écoute, ouais, non, c'est bien. Mais juste une nouvelle map, c'est dommage. Le morph, ok. Non, mais je sais, c'est que des modes, de toute façon. C'est que des modes. Mais ils se sont bien touchés quand même. Hein. Ils se sont bien touchés. Parce qu'avec le succès qu'ils ont eu, ils auraient pu vraiment faire beaucoup de choses. Ils sont bien touchés. Et là, je rappelle que c'est sur Nintendo Switch. Hein. Genre, les mecs qui font ça dans la conf Nintendo Switch. S'il y a le Shape Shifter. Ok, il y a quoi d'autre Nintendo, les gars? Oh, il y avait rien. Il y avait quoi Nintendo, les gars? Tomb Raider Remaster. Ah, the legendary Raider returns. The first three Tomb Raider games, all with upgraded visuals are. Eh, vous avez rendu les seins ronds, frérot. On les aimait bien en triangle. Eh, en plus, ils étaient même pas comme ça, ils étaient triangulaires. Hein. Ils étaient triangulaires, frérot, à l'époque. Là, ils étaient déjà ronds, comment ça? Ouais. Bon, ils ont. Eh, mec, ils ont rattrapé les graphismes. Hein. Ils sont presque aussi bien que. Même. Presque. Un petit peu mieux que Pokémon Arceus. Ouais. Ouais, bah ils se sont dit vas-y pourquoi pas, on a fait Arceus, on peut faire Tomb Raider. Fearless archaeologist Lara Croft, you travel the world and face off against deadly foes. Par contre, c'est un giga point d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est sur Nintendo Switch qu'il se passe des trucs comme ça avec les Tomb Raider 1, 2, 3 quoi? Giga point d'interrogation. And swan dive through perilous quests spanning different countries and. Non, parce que ces jeux-là, ils étaient mythiques parce qu'ils ont vraiment inspiré tous les jeux vidéo. C'est vraiment tout inspiré, les gars. C'était une dinguerie, hein, ces jeux-là, à l'époque. Quand tu regardes Assassin's Creed, c'est encore tout ça. Hein. Tout ça, c'est encore Assassin's Creed. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any. Ah, les gars, j'ai joué en plus au 1. J'ai joué au 1. Mais je me souvenais pas de cette tête-là, les gars. Attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je me souvenais pas de cette tête-là, les gars. C'est pas possible. Moi, je me souvenais de cette tête-là. Celle-là. Mais attends, mais du coup, c'est pas la même. C'était cette tête-là? Non. Tomb Raider 1 through 3 Remastered, starring Lara Croft, launches on the Nintendo Switch system February 14th. Pre-orders begin. The toys are back in town. Donkey Kong. Mario. Here we go. The rivalry that heated up on the Game Boy Advance system. Mario versus Donkey Kong. C'est des remasters encore?
observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious, though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across. F-Zero Battle Royale, arrête de mentir. Non. Notre objectif à tous, c'est d'y aller, les gars. D'aller au front, d'affronter nos peurs. Arrête. Et où c'est que je trouve le trailer, là? Non, mais mec, non, mais on est où, là, les gars? Zero game returns as a 99 player battle royale. F-Zero 99. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Mec, mec, j'en ai marre là. Je peux pas me congeler là et vous me réveillez quand c'est bon? Les gars, je peux pas me congeler là et vous me réveillez quand c'est bon là, quand les jeux vidéo deviennent normaux, genre. Decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits zero, you're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Comme jeu. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Il est stylé, ce jeu. Mais vous pouvez me réveiller, les gars, quand c'est bon, les gars, ou pas, parce que... Oui, bon, heureusement qu'il est gratuit, frérot. Je paye pas pour ça, hein, mais bon. Vous me réveillez, les gars, quand les jeux deviennent bien, genre dans 5, 6 ans, 10 ans. The ribbon alone won't always cut it, though. Tain, c'est le même mec qui a fait les voix de tout le monde, j'adore. C'est le même mec qui fait les voix de tout le monde, j'adore. Dans tous les trailers, c'est le même mec. Par contre, les graphismes là, ils sont top, hein. Vraiment bien. Je trouve ça méga efficace. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Donc elle jette des rubans sur la tête des gens. Won't always cut it, though. So let's do this. Et ensuite, elle fait alliance avec son ruban pour... transformé en la reine des neiges. Whoa, Peach transformed into Sword Fighter Peach. Et là, elle devient les trois mousquetaires. Show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Bon, en vrai, le jeu a l'air bien, en vrai. C'est toujours très divertissant, très satisfaisant à jouer. Détective Peach. Allez, putain. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into pâtissière Peach and save it from a sugar crash. Allez, j'en ai assez.
Contrat, c'est quoi? C'est... Putain, ça me dit un truc, ça. Enfin, c'est comme Metal Slug. Ah, c'est ça. C'est Metal Slug du pauvre. Ouais, clairement, mec, Metal Slug, il déchire tout le monde là-dessus. Dans ce domaine de jeu. Ok, bon, bah, c'est tout, les gars. Luigi Mansion 2? Attends. Il y a 7 heures. C'est bien, ça, non? C'était pas un banger, Luigi Mansion? Attends, c'est un remaster, mec! Il t'est sorti le 2? Oh putain, mec, il faut chier. Luigi's Mansion 2 HD. Ah voilà. HD. Vas-y, ça me saoule. Eversheed Valley, a place that's screaming and teeming with. Je me rappelle, tout le monde en parlait de ce jeu. Tout le monde en parlait de ce jeu, les gars. GameCube, la GameCube, c'était incroyable. Incroyable, la GameCube. Mario Kart Double Dash, mec, il a mis une vitesse à tout le monde. Zelda Force World et tout ça là, c'était incroyable. Incroyable cette époque, mec, l'époque de la GameCube, les gars. Nightfire, James Bond Nightfire. Oh là 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 là. Oh là là. James Bond Nightfire. Oh là là. Pop. You can stun them with the strobe ball. Then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. C'est toujours le même mec qui parle, ça c'est. Ok, bon. Bah les gars, trop cool. Je suis désolé, je m'attendais à ce que la State of Play elle dure beaucoup plus longtemps. Mais ouais, c'était cool. J'ai vu les heures, j'ai vu. C'est dans ma wishlist. Attends. Quand même vérifier. Add. Infinitum. Ok, au moins 18. Oh waouh. Tiens, on risque de jouer à ça aussi. C'est rapide, Baby Nilo. I am a soldier in this world, and live to stand and fight. At night, your image shatters my sleep and draws me close to you. Ah, wow. I am a soldier in this world, and live to dream of home. Ah, pour moi, c'est un banger, ce jeu. If I were home, 78%, doors were shut, and I would remain alone in the dark. I am a soldier not of this world and live to. To live, to die, to live, to die. Ah, mec, le concept a l'air pas mal. To die. Die. En vrai, le concept de tu te réveilles à chaque fois, quand tu meurs, tu te réveilles, tu sais. Et tu dois refaire tout ce que t'as appris. Moi, j'adore ces jeux-là. J'adore ces jeux-là. Je pense pas que c'est ça, mais j'adore ces jeux-là. Tu sais, genre, tu dois refaire tout le jeu à chaque fois. Mais quand tu meurs, mais à chaque fois, t'apprends des trucs. J'adore ça. En mode 11 minutes, tu sais. Non, c'était 12 minutes, je crois. 12 minutes. Still, I go on, as if I must. Granny, c'est exactement ça, ah ouais? I am a soldier in this world and live to. Bon, en tout cas, les notations, elles sont pas, grandioses, là. T'as remis les pubs? Non, toujours pas. J'ai jamais mis les pubs, d'ailleurs, non, tout simplement. Alors, les gars. Je vais vous décevoir encore, les gars. Eh, désolé, mais je m'attendais pas à ce que la State of Play se termine en 2 secondes. Je m'attendais à ce qu'on soit divertis, les gars. Elle m'a mis au fond.
Si, si, chat. Si, 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 si. Si, chat. Si, chat. J'ai 42 mois, merci. Jibou, 17 mois. Murphy, 35 mois, merci. Yaox, pour les 5 mois, merci. Cosmo, Géral, pour les 33 mois, merci. Shukapi, pour les 3 mois, merci, mes bébés. Parlant de bébé. C'est un jeu d'horreur ? Oh, stylé le jeu. Ça, c'est un banger, les gars. Ça, c'est un banger, on va le faire. Waouh !